Hyperboreer, die in grauer Vorzeit am Pol gelebt haben sollen. La Comtesse de Mujols Purat était spirite et elle disait qu'elle communiquait avec l'esprit d'Esclarmonde. Et un jour, elle est allée promener en voiture devant, jusqu'au château de Montségur et elle a dit à Otto Rahn, c'est bien là le château du Graal. And then Rahn asked me if I wouldn't accompany him, because I knew as a Swiss something about mountain climbing, that all right, I'd gladly come with you if I have not to pay for it, and it's not too long. We happened then to go to Lavelanet and to go up the street, and there on the second or third turn, suddenly you discover Montségur, a huge mountain watching you like it had never been touched by human foot. Ce qui s'est passé d'extraordinaire dans cette région, qui est une région tout à fait perdue de la France, qui n'avait jusqu'à cette époque-là peu d'intérêt en dehors de la préhistoire, parce que même l'histoire du catharisme n'était pas du tout connue, c'est qu'il s'est trouvé dans ces années, disons à partir de 1928-1929, plusieurs sociétés secrètes internationales qui ont eu des envoyés spéciaux qui sont venus s'établir dans cette région. Le premier, semble-t-il, est un Italien qui a écrit beaucoup de livres sous le nom de Sams Bouala, qui faisait partie et qui a créé à Paris une société qui s'est appelée la Société des Polaires. Cette Société des Polaires a des ramifications en France, bien évidemment, mais surtout en Italie. Donc l'Italie est fasciste. C'est probablement ce qui s'est passé dans cette partie de la France entre la guerre de 1914 et juste avant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, il y a des gens qui ont trouvé des réponses. Et ces réponses, évidemment, si elles ne viennent pas d'eux personnellement, elles sont transmises par d'autres forces extérieures, par le relais de médiums, ou alors de pseudo-archéologues qui pensent qu'ils vont pouvoir trouver des réponses dans des ouvrages perdus, dans des ouvrages anciens. Alors on a beaucoup parlé dans cette période des évangiles perdus de Jean, mais on a aussi parlé des tables, des écrits de Cathare. Et beaucoup voyaient dans le trésor de Cathare, non pas un trésor monétaire, mais un trésor fait de livres. Et ces livres apporteraient les réponses aux questions que les hommes se posent. Dans le même endroit, à la même place, à 5-6 km de distance, vous aviez, à cette époque-là, autour des années 1930, la Société secrète de Polaire, la Société secrète Aigle Blanc et la Société secrète Culée. On sait très bien qu'à cette époque, les services secrets de tous ces pays, qui étaient pro-fascistes déjà, ont donné de l'argent. Les services secrets anglais, français, allemands, italiens, espagnols, utilisaient surtout des archéologues, des préhistoriens. C'est-à-dire c'est des gens qui pouvaient se déplacer, aller partout et que ne surveillaient pas, parce que c'était des universitaires, des chercheurs. Otto Rahn avait des centaines de photos aussi, comme probablement les polaires, comme probablement les gens d'Aigle Blanc. La comtesse de Pujol-Mural réunissait des amis et des sympathisants à propos d'archéologie, à propos de religion, à propos de morale, à propos de politique, on faisait toutes les tables à l'époque. Et Otto Rahn est arrivé dans ce milieu et il était venu dans ce pays avec une mission, peut-être une mission qui était soutenue ou demandée par la politique actuelle, déjà en 1930. Otto Rahn, il est certain, s'est beaucoup plus dans ce milieu, et d'autant plus il entendait toutes ces personnes dire
que les Ariégeois avaient des origines germaniques. Et ça, ça lui plaisait beaucoup, parce qu'il était très intéressé aussi par les légendes germaniques, par l'origine de sa nation, qui était arienne, n'est-ce pas? Et il y avait une sympathie qui s'était formée. Cette maison a appartenu à mes parents depuis 1928, date où ils se sont installés comme auberge. Et c'est à peu près, peut-être en 1930, moi j'étais très très jeune, je ne me souviens pas, ils ont reçu le monsieur Otto Rahn. Sa chambre restait très belle. Et les gens, très souvent, les gens demandent à voir la chambre où M. Otto Rahn a vécu. Donc, M. Otto Rahn, c'est un monsieur que j'ai connu lorsque j'avais environ 10 ans, maximum. Je me souviens de lui. Il logeait à l'hôtel Couquette et il passait dans la rue une silhouette grande, habillée en noir, avec une canne, de grandes enjambées. Et c'est justement parce qu'il était allemand que cela m'avait frappé. Et d'autant plus qu'il voulait acheter un prêt à mon père pour y bâtir une maison, en vue de Monségur justement, qui dominait Monségur. Et mon père, ancien combattant de 14-18, a été plus que réticent. Il n'a pas été question de vendre à M. Otto Rahn. He was honest in his love of France. And he was very, very sorry that the French did not return his love. Otto Rahn n'a jamais manifesté ses idées idéologiques ariennes. Quand il était ici, c'était un convive très gentil. Très gentil, qui n'avait posé à mes parents aucun problème. Voilà, ensuite, ayant obtenu une bourse pour terminer son livre. On peut se demander si Otto Rahn était véritablement nazi. Certes, je crois que c'est moi qui avais plus de compréhension et de douceur, là, vous voyez, et parler d'Otto Rahn. Dès le début, il appartenait probablement au Parti national-socialiste, mais il était avant tout poète. Il est sûr qu'il était venu en Ariège, dans les Pyrénées, à Montségur, retrouver le château de Montsalvatch, qui, avec toute la fantasmagorie des romans de la Table Ronde, hantait son imagination. Parfois, dans ses descriptions poétiques, on croit entendre la voix des anciens romantiques allemands. Comme eux, il vivait dans la légende, avec des personnages mythiques. Et c'est bien souvent dans un imaginaire chimérique qu'il voyait l'Occitanie. In the days before the walls of Montségur were breached, the Cathars, the pure ones, preserved in the castle the Holy Grail. But danger threatened Montségur, for the legions of Lucifer assembled before its walls to capture the Grail and restore it to its old place in the diadem of the prince. But at the last moment a dove descended from on high and cleft the mountain with its beak. Esclamond, the last high priestess of the Cathars and keeper of the Grail, threw the holy treasure into the mountain which closed around it. And so the Grail was saved. When the devils burst into the castle, the Grail was nowhere to be found. In their rage, they seized the pure ones and burnt them alive on the Cap de Cremat, a field near the castle crag. I came here to trying to find a reply to one very simple question. What can lead a man with a good brain to risk his life, to give his life for the worst of kind of death, death by the fire, you know? They were offered before being burnt alive to change their mind, to deny Catharism, and 208 refused to do so. And they were burnt alive. Imagine burning for 2 minutes, just 1 minute, I wouldn't stand it. I don't know how I would react if I wouldn't turn any kind of other way.